sentir bien dans sa peau dès le départ est très essentiel pour vivre pleinement. Chérie, aujourd'hui, je veux vous dire quelques façons de se motiver, de vivre sans complexe avec les rondeurs, comment se comporter, comment s'habiller, comment se le dire dans la tête. On y va? Alors Malova, sache que chacun possède les traits uniques et précieux. Alors prends le temps de te concentrer sur ce que tu aimes sur toi et non te focaliser sur ce que toi tu crois être imperfection ou défaut. Il faut savoir que l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, c'est d'apprendre d'accepter ce que l'on est et non ce que l'on aimerait être. Vous savez, chérie, s'accepter tel que l'on est, c'est un processus très important. Voilà, accepter ses imperfections, accepter ses bourrelets, accepter son ventre, accepter sa grosse tête, accepter ses joues, accepter tes jambes. Tu dois t'accepter tel que tu es, ma chérie. Sachez que nos imperfections font partie intégralement de l'acceptation de soi. Ma chérie, à chaque fois que tu vas être triste parce que du coup tu as vu un gros changement sur toi, qu'un matin tu te retrouves avec un gros ventre et tout, rappelle-toi une chose. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas et que tu es magnifique comme ça. Avec l'âge, on change. Avec des années, on change. Avec des situations, on change. Donc, il faut te remettre dans la tête. Tu te dis, ah, la perfection, ça n'existe nulle part. Je fais, pas que je fais avec. Je dois apprendre de m'accepter telle que je suis devenue, telle que je suis. Et moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est très facile de se comparer aux autres. Écoutez, évitez de se comparer aux autres. En se comparant aux autres, ça ne fait qu'alimenter ce sentiment de complexe que vous avez chez vous. Ça ne peut que faire la grandir. Donc, carrément, si tu veux vraiment t'accepter tel que tu es, il faut accepter de te comparer aux copines, aux sœurs, aux collègues et tout. Tu es unique, tu dois te le dire. Donc, tu arrêtes de te comparer. Pas de comparaison. Alors, mes chéris, sachez que chaque personne est unique avec ses propres défis et son propre parcours. Voilà. Raison pour laquelle je dis, il ne faut pas se comparer aux autres. Tu vas voir quelqu'un qui a ses formes, qui a pris du poids et tout. Peut-être la personne traverse pas mal de choses. La dépression peut faire certaines personnes prendre du poids. Les accouchements, les maladies, l'âge, les hormones et tout. Donc, franchement, ne restez pas là, vous dites. Et puis, ça dépend des familles. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Dans ma famille, nous, on a pris le corps de notre maman. Donc, on peut monter, descendre et tout. Nous, on est dans une famille où, voilà, il y a des gens bien portants. Franchement, très bien portants. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de rondes dans ma famille. Donc, quand tu arrives comme ça, tu vois à côté chez ta copine, les gens ne prennent pas du poids, les gens sont, tu peux rester là, tu te moques. Et n'écoutez pas ce que les gens disent. N'écoutez pas. Chaque personne est unique avec ses propres défis et son propre parcours. Toi, focalise-toi sur ta beauté, ce que tu aimes plus sur toi, et non de te comparer aux autres. Et du coup, aussi, il faut vraiment t'entourer des personnes qui ne passent pas le temps à vous critiquer, à parler que de votre poids, à parler que de la façon dont vous avez pris du poids. Ça ne va pas vous aider, pas du tout. Si vous passez le temps avec les gens qui vous apprécient, qui vous encouragent, qui vous élèvent, avec qui vous passez du temps, du bon moment ensemble, vous allez oublier ce souci-là. Mais quand vous retrouvez avec les gens qui vont que passer du temps, ouais, le gros ventre, oh, les joues, vraiment, j'aimais quand tu étais comme ça, j'aimais te voir quand tu... Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider, oui, la personne aimait quand tu étais comme ça. Mais ça, on parle au passé, c'est ton passé-là. Aujourd'hui, on parle du présent et du futur. Donc, ne vous entourez pas des gens qui vont passer le temps vraiment à vous faire travailler le cerveau à tout moment que vous vous retrouvez. Ce n'est pas une façon d'aider quelqu'un. Parce que, comme je vous disais, si ces gens-là sont proches de vous, ils sauront le pourquoi vous avez pris du poids. Il y a une autre façon. Il y a une autre façon de vous amener à,
changer peut-être votre alimentation, avoir la chose autrement. Si jamais vous avez pris du poids parce que vous vous êtes laissé aller, il y a aussi une autre façon où l'on peut vous motiver de lever le pied. Mais si c'est par maladie, par quoi, il y a aussi une autre façon de vous réconforter, vous encourager, vous dire ça va aller, vous allez vous remettre, ne vous inquiétez pas et tout. Là, moi, Melova, je vais vous parler. Regardez-moi. J'ai pris du poids, j'ai été malade, j'ai été alitée plus de 3 mois où j'étais entre le canapé et mon lit. J'ai pris du poids. Vous me connaissez? Regardez les jours. Bien sûr que je motive les femmes rondes, bien sûr, mais je ne dis pas vraiment rester couché et vraiment prendre plus de poids qu'il n'en faut. Mais la situation m'a obligée en fait de plus prendre du poids. Et ça ne veut pas dire que je me néglige là. Hein? Ça ne veut pas dire que voilà, je vais rester faire travailler mon cerveau, complexer, pleurer parce que j'ai pris quelques kilos. Parce que derrière ce corps, il y a une raison. Derrière ce nombre de kilos que j'ai eu à prendre, il y a une histoire. Voilà. Tu es la seule personne à connaître ton histoire. Si je ne viens pas vous en parler ici, personne ne le saura. On va toujours dire, ouais, parce qu'elle motive les femmes rondes, qu'elle s'est laissée aller. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que je vous disais, derrière votre prise de poids se cache une histoire. Il y a une histoire. Voilà. D'accord, mes chéris? Par exemple, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dira, « Ah, Grace, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as pris du poids comme ça? Waouh, tu t'es laissé aller? » Parce qu'il y a d'autres même qui ne vont même pas comprendre que ce n'est pas facile pour toi. Il y a d'autres qui ne seront pas au courant de ton histoire, de ton problème. Juste ce qu'ils vont voir le corps, ils vont passer leur jour, leur temps, leur nuit et jour à te parler de la prise du poids, comment ils ne sont pas à l'aise, comment si ils n'aiment pas te voir comme ça, il faut que tu redeviennes comme avant et tout. Non, ce n'est pas ça. Donc, entourez-vous des gens qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui sont là pour vous motiver. Voilà. Qui sont là pour vous rappeler que tout le monde ne peut pas être pareil. Écoute, Laura. Écoute, Laura. Prends juste soin de toi. Mentalement, comme émotionnellement, prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est tout ce que je peux te dire. Ne te néglige pas parce que tu as pris du poids. Tu restes là, tu te morfonds, tu te négliges. Même mentalement, ça fait du bien. Ça vaut le coup. Le tout n'est pas juste le corps, c'est aussi dans la tête. Hein? Si tu ne vas pas bien dans la tête, même le corps n'ira pas mieux. Donc, prends vraiment le temps de le faire. Rappelle-toi de ta valeur. Rappelle-toi que ton corps ne se résume pas au nombre des kilos. Voilà. Ton corps ne se résume pas au nombre de kilos. Par exemple, fais les choses qui te rendent heureuse, qui te font te sentir femme ou homme, qui te font te sentir bien dans ta peau. Alors, je vais vous dire, moi j'adore danser. Quand j'ai le temps, je mets ma musique, je danse, j'aime me mirer. De fois, je me place devant ma tasse, je me regarde, je dis, Grace, alors là, cette fois-ci, tu es allé loin, oh. Tu es allé très loin. Comme ces jours-ci, je me regarde, je dis waouh, j'ai pris du poids, j'ai les joues, j'ai le ventre qui déborde, j'ai tout ce qui va avec. Mais de l'autre côté, quand je me regarde devant la glace, je dis ouais, malgré tout, je suis belle, je me sens bien, je mets ma musique, je danse et quand je tourne, moi-même je vois ce que je vois. Voilà, et c'est ça qui fait aussi partie de la vie. Parce que je dis oui, j'ai pris du poids et quoi encore? Est-ce que je suis sûre que ceux ou celles qui n'ont pas pris du poids sont plus heureux que moi ou heureuses que moi? Non. Oui, j'ai pris du poids. Mais à côté de ça, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? C'est la vie. C'est la vie. Donc, ma chérie, rappelle-toi. Rappelle-toi que tu es une belle personne. Que tu es une belle Laura ou un beau Laura. Sincèrement, ma chérie, il faut prendre le temps de s'aimer inconditionnellement. Comme j'ai dit, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te dire « Waouh, qu'est-ce que tu es beau !»« Waouh, qu'est-ce que tu es belle !» Avant que quelqu'un d'autre ne vienne te le dire, il faut que toi-même tu te le dises. « Oui, je suis belle. » Parce que tu ne te le dis pas, comme je vois les gens qui réclament, « Ouais, tu ne me dis pas que tu m'aimes. » Oh, c'est cela. Une autre chose très importante, il faut savoir se fixer des objectifs réalisables et réalistes. Parce que quand tu es là, tu dis voilà,
j'aimerais faire telle chose. Il ne faut pas que ce soit un truc d'un faux plan, en fait. Il faut que ce soit un truc que toi-même, tu sais que tu peux réaliser. C'est réalisable, pas irréaliste. Voilà. Il faut aussi, ça va te booster. Parce que là, tu ne penseras même pas à ce nombre de kilos que tu as. Mais tu penseras, tu verras à quel point tu peux y arriver, à quel point tu es forte, à quel point tu es intelligente, à quel point tu es belle. Donc voilà, il faut se fixer vraiment ces objectifs dans la tête. Toujours, dans la vie même, c'est très important. Donc ma chérie, tu sais, tu peux vraiment adopter un mode de vie sain, par exemple, ou pratiquer un hobby que tu aimes bien. Ça te fera te sentir bien dans ta peau. D'accord? Essaye aussi des nouvelles compétences. Ça aussi, ça va t'apporter un peu plus. Voilà, comme moi, je suis une personne, je ne m'arrête pas. J'entends que telle chose fonctionne, je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce que je peux essayer pour que ça puisse donner? En fait, j'essaie de chercher de nouvelles choses. Je ne reste pas là, je ne peux pas rester là comme vous me voyez là, dire que oui, j'aime mon boulot, ça me va, je fais un boulot de l'eau. Non, je suis toujours en train d'essayer de nouvelles compétences. Mais pareil, essaye de rester réfléchi, qu'est-ce que tu peux rajouter dans ta vie? Qu'est-ce que pourrait t'apporter un plus dans ta vie? Tu restes, tu le fais. Tout ça, ça te fera partie de cette beauté-là, je t'assure, Malova. La beauté, les gens croient que quand on dit beauté, c'est juste mettre le rouge à lèvres, s'asseoir comme ça devant la caméra. C'est ça qui fait la beauté. C'est ça qui fait toute la beauté, non? Non. C'est pas que ça qui peut te rendre heureuse. De ces petits trucs-là que tu vois, je t'enseigne, je te conseille, qui pourront t'apporter un plus dans la vie. Essaye, tu viendras me dire. Il faut savoir quelque chose, chérie, que le progrès personnel renforce la confiance de soi. Si. Je t'assure, si tu apprends de nouvelles compétences et que tu y arrives, tu verras comment ça va te renforcer cette confiance en soi-là. Mais si tu restes là, couché au canapé, parce que les gens passent le temps à dire que voilà, ils t'aimaient comme tu étais avant, et que toi, tu ne cherches pas à sortir de là, ça peut empirer la situation et le contexte va s'aggraver. Et je voulais aussi te rappeler quelque chose, que tout le monde a ses imperfections. Personne n'est parfait. Chérie, et sachez aussi que les personnes que vous admirez ont leurs propres insécurités et leurs moments de doute. Sachez que se motiver, ne pas être complexé dès le départ, demande du temps. Demande du temps et beaucoup de pratique. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Gardez cela en esprit. C'est un voyage qui en vaut la peine. J'en sais quelque chose. Je vous dis et je vous répète, vous êtes magnifique, vous êtes précieux ou précieuse. Vous méritez d'être aimé comme tout le monde. Il n'y a pas un côté où on vous dira les grosses, les rondes, voilà leur place. Et les minces, les maigres, voilà leur place. J'ai toujours l'habitude de vous dire, tout le monde est magnifique. Toutes les femmes sont belles, comme j'ai l'habitude de vous dire. Et tous les hommes sont aussi beaux. Parce que tout le monde, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Non, moi, je suis mince, hein? Je suis top modèle. Hein? Non. Tout le monde est magnifique. Ok, mes chéris. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas de poser des questions. N'oubliez pas de liker et surtout de me laisser un commentaire, mes chéris. Je vous dis à très bientôt. Likez. Bye bye. Bisous. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.